L'équipe d'Algérie, drivée par Jamel Belmadi, affronte ce mardi 9 janvier 2023 à 15h le Burundi. Ce match compte comme la dernière rencontre que l'équipe nationale effectuera lors de son stage au Togo avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi et comment cette rencontre est déjà capitale pour bien démarrer la compétition et espérer voir l'Algérie faire un incroyable parcours. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. On va parler dans un premier temps d'un point très important. Avant d'aborder l'avant-match, on va aborder la préparation qui a lieu actuellement au Togo. Une préparation très particulière et moi il y a des choses vraiment intéressantes que j'ai relevées de la gestion de Belmadi lors de cette préparation et clairement on peut déjà le dire, il a énormément appris de l'erreur de la Cannes 2022. D'accord Et on finira, bien sûr, en deuxième partie, on parlera tout simplement de ce match-là qui a lieu demain. Le Burundi, on va essayer de voir déjà à quelle heure il a lieu, pourquoi, est-ce que c'est possible de voir le match, de le suivre comme lors du Togo, même si c'est difficile, etc. ou pas. On va essayer de se poser les questions, quel compos? probables, etc. Euh, pour ce match-là et pourquoi, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à réagir aussi bien sur la préparation que sur cet avant-match. Moi, il y a deux questions que j'aimerais vous poser qui m'intéressent de la part de chaque supporter. Donc, je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur, la, sur le sujet. Premièrement, est-ce que vous êtes satisfait des informations que vous avez sur cette préparation actuellement au Togo Et deuxièmement, quel compo vous voulez voir demain Face au Burundi et pourquoi ça c'est capital. Donc on va commencer. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo pour soutenir, ça fait toujours plaisir à partager et bien évidemment le plus important à vous exprimer en commentaire. Donc on est parti sur la préparation. Alors la préparation. Pourquoi je voulais aborder ce point-là Premièrement parce que je l'ai pas fait précédemment. Euh, dans une vidéo. J'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre, euh, notamment sur Twitter où je suis pas mal actif, d'accord Mais euh, je voulais surtout en parler parce qu'on a eu des informations très intéressantes de la part de Jamel Belmadi. Alors, quelle information on a eu de la part de Jamel Belmadi Premièrement, il faut savoir que Jamel Belmadi, jusqu'à hier, il est en mode. Préparation athlétique, à fond, à fond, à fond. Il travaille le physique à fond, à fond, à fond. On voit que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà en train de s'affûter, qui ont dû perdre environ au moins, au moins 4 kilos comme ça à vue d'oeil, si ce n'est un peu plus. Je dirais 4-5 kilos pour Belayli. Bon, il y a d'autres joueurs, etc., qui sont en train de s'affûter, etc. Mais c'est une préparation ultra-physique, si bien... Que lors du match face au Togo, après, Belmady a dit en conférence d'après-match qu'en gros, ils ne se sont même pas reposés. Il n'a même pas calculé ce match-là du style. Parce que vous savez, normalement, quand on fait une préparation, il y a tout ce qui est décrassage, repos, etc. Là, Belmady, il n'a pas calculé. Ils ont dit, en gros, le Togo, on l'a joué normal, comme s'il n'y avait pas de match. En fait, on entraîné tous les jours, euh, comme s'il n'y avait pas de match le lendemain, et le lendemain, comme s'il n'y avait pas de match aujourd'hui. D'accord Par contre, le Burundi, ça sera différent. Et on sait que hier, ce dimanche, etc., il a fait une grosse, grosse séance. Une séance de plus de deux heures, très intense, etc. Donc, bien évidemment, on voit qu'il y a vraiment euh, une, une approche spécifique de la part de Belmadi sur la préparation au Togo. En plus de ça, cette préparation au Togo, elle est très bien choisie de la part de Jamel Belmadi, de la FAF, etc. Pourquoi Parce que le Togo est dans un climat proche de la Côte d'Ivoire, mais légèrement plus compliqué en termes de taux d'humidité normalement. Donc, ce qui fait que là, c'est comme si en fait, tu, tu avais l'habitude, je ne sais pas moi, euh, euh, de rouler à une vitesse très très haute et d'un coup, on te dit, roule euh, 20-30 km euh, moins vite. Donc, c'est quelque chose de simple puisque tu as déjà été euh, mis en circonstance pour faire plus que ce qu'on va te demander de faire, donc ça c'est très intelligent de la part de Belmadi. Franchement, personnellement, je suis très très satisfait. Et euh, on va voir vraiment le résultat de cette préparation c'est face à l'Angola et au Burkina Faso. Mais dès demain, on va la voir parce que le match de demain, c'est un match qu'il ne faut pas perdre pour plusieurs raisons qu'on va justement évoquer maintenant ensemble dans justement ce qui est la deuxième partie, l'avant-match. Donc passons à l'avant-match Algérie-Burundi. Alors, premièrement, rappelons que contre le Togo, Jamed Belmadi a mis, a mis en place un 4-3-3 avec Atal, Ben Sebaini, Mandia Ituri, Mandria d'accord Le milieu euh, Ben Taleb, Benasser, Ferouli, et il a mis Marez à droite, Ounas à gauche et Slimani devant. Clairement, on ne retrouvera certainement pas, et ceci même à 100%, cette compo-là demain face au Burundi. On voit que c'est une compo quasi titulaire à 80%, mais avec quelques modifications qui devaient se faire, certainement pour préparer l'Angola et le Burkina Faso. D'accord Donc, une fois qu'on a eu cette compo-là, d'accord euh, Face au Togo, maintenant, on va se demander tout simplement euh, quelle sera la compo probable demain face au Burundi. Pour ma part, pour ma part, il va aligner demain les titulaires du match face à l'Angola. Il va aligner les titulaires du match face à l'Angola. Il y a de fortes probabilités qu'il s'agisse de Mandria, Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Ben Taleb et Benasser et Chaibi au milieu terrain, Belaili à gauche. D'accord Bounedjah peut-être titulaire à mon avis. Et Marez à droite. D'accord Si c'est ça, d'accord Sur le plan euh, personnel, je pense que c'est la meilleure chose à mettre en place lors du match face à l'Angola. Donc le premier match. D'accord Pourquoi Premièrement, rappelons que Amoura ne sera pas euh, titulaire vu qu'il est suspendu. Rappelons que Shaibi, Benasser et Ben c'est certainement le milieu le plus efficace. Qu'on puisse avoir dans le groupe. Personnellement, je pense qu'il prend en compte toutes les forces et faiblesses de l'équipe nationale. d'accord Et devant Bounedja, pourquoi Parce que tout simplement, Slimani a joué face, le, face au Togo. Et là, je pense que pour, en termes de fraîcheur, démarrer face à l'Angola, qui est l'adversaire quand même, certes, le premier match, mais on sait que Slimani en bantouche est plus efficace qu'un Bounedja. Donc, vaut mieux commencer avec un Bounidjeh et finir avec un Slimani. Pour le reste, reste c'est possible, mais je n'y crois pas de la part de Jamel Belmadi qu'il puisse peut-être tester la charnière Belaid Ben, euh, ben Sebaï. mais je n'y crois pas trop. Donc d'accord. Donc voilà pour moi la compo probable de demain. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que quoi qu'il arrive demain, il faut mettre la compo probable qui devra jouer contre l'Angola. Mais selon moi, ça c'est que mon avis, je vous invite à donner le vôtre. Pour moi, il faudra les faire sortir à la 60e parce que vraiment moi si si je, comment je vois le match je me dirais bon je mets mes titulaires et je leur demande de faire le meilleur match possible d'accord rappelons que le match est à 15h à la demande de Jamel Belmadi qui a changé l'horaire normalement c'était à 21h Belmadi a dit non on va rajouter de la difficulté on va le mettre à 15 heures. Pourquoi Parce qu'on s'habitue déjà aux conditions les plus dures et c'est ce que je vous rappelais dans la première partie avec la préparation au Togo. Plus d'humidité au Togo qu'en Côte d'Ivoire, les conditions un peu plus difficiles, etc. Là, il pourrait jouer à 21 heures. Non, il se met en difficulté en jouant à 15 heures. Il demande à ses joueurs un effort physique supplémentaire et tout ça, c'est positif pour moi. Tout ça, c'est positif parce que là, il a fait un très, très gros travail et je pense qu'après le Burundi, il va passer vraiment au décrassage, décrassage au repos, pour être ultra frais face à l'Angola le 15. D'accord Donc, on rappelle qu'on aura six jours. Il y a le vol qui va fatiguer, etc., etc. Bon, on en reparlera, mais je pense que là, la stratégie qu'il a adoptée, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une préparation choc de Jamel Belmadi. Il n'a rien laissé au, dé au, dé au détail dans ses calculs. Pour moi, c'est exactement aussi ce que j'aurais fait. Pour le coup, là, à, deux en, à la Cannes 2022, j'avais dit, franchement, euh, ce qui fait, c'est un peu n'importe quoi. On va s'entraîner dans un pays, ça n'a rien à voir, etc. Okay. Mais là, pour moi, il a très bien appris de ses erreurs. D'ailleurs, il l'avait dit dans la conférence avant de s'envoler pour le Togo. Il a dit les enseignements que je retiens, notamment la préparation. Pour lui, c'était capital. Il a bien vu qu'en 2022, il y avait eu un hic, un manque d'efficacité, etc., de fraîcheur, etc. Et ça vient de là. Ça vient de cette préparation-là. Alors, il y a plusieurs solutions. Tu peux faire une préparation euh, très moyenne, s'activer un peu plus en Côte d'Ivoire, faire une préparation homogène. Non, lui, là, il a mis le carburant. Depuis le lendemain de l'arrivée du Togo jusqu'au Burundi. Ensuite, il va, je pense, décrasser, se reposer. Il va travailler les automatismes pour arriver ultra frais face à l'Angola et au Burkina Faso où on espère remporter les deux matchs pour pouvoir faire tourner le troisième match, bien évidemment. D'accord? Donc une fois que ça c'est dit, quels vont être clairement les enjeux du match Qu'est-ce qu'on attend de ce match-là Comme j'ai dit, pour moi, 60 minutes à haute intensité de la part des joueurs titulaires face à l'Angola. C'est là où on va voir oui lui il va voir et peut-être se laisser des choix optionnels de changement, d'accord, du niveau de Belayli. D'accord qui moi je pense fera une très bonne canne et un très bon match face au Burkina, peut-être une entrée fracassante face au Burkina. C'est comme ça que je prévois les choses. Il va voir L'effort de Marès, il va voir le milieu de terrain Benasser, est-ce qu'il tient, il tient les deux matchs là ou pas. D'accord, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il va voir le niveau de Bentaleb en s'entinelle à 15h, parce qu'il a déjà joué beaucoup, il enchaîne les matchs, il fait une grosse préparation, etc. Voilà, il va voir la charnière mandi ben Sebaini. est-ce que ça se fait prendre? Parce que si on se fait prendre un but, c'est quelque chose qui va peut-être le remettre en cause euh, sur la charnière centrale qui même le Togo. L'entraîneur du Togo a pris, mais on rappelle que c'est seulement les locaux du Togo avait dit que le problème de l'Algérie c'était sa charnière centrale, quelque chose que tous les supporters savent. D'accord, donc il nous a appris rien de nouveau mais que Belmadi doit en prendre conscience pour ne pas se faire piéger quitte à changer de joueur au bon moment. D'accord Donc là, les enseignements, il va avoir deux enseignements. Les 60 premières minutes et l'équipe type pour moi, c'est ce que moi j'aurais fait, ce que je prévois que Belmadi va faire. Et ensuite, il commence à faire rentrer des joueurs Très important pour faire tourner et reposer ceux qui ne pourront pas faire une compétition complète à 100%. On pense à D'accord, là, il va mettre peut-être certainement UNAS sur la droite en fin de match. Il va quand même faire rentrer Amoura. Pour lui donner du temps de jeu parce qu'il prévoit certainement de le titulariser face au Burkina. Il fera rentrer Slimani à la place de Bounjer, toujours pour essayer de marquer et de prendre sa place par rapport à Bounjer, et donc ça va le motiver, etc. etc. Le milieu qui, les milieux qui vont rentrer vont se donner à fond, à fond parce qu'ils ne sont pas titulaires. On sait que Howard n'est pas un titulaire maintenant. Il a des choses à apporter en sortie de banque qui sont très intéressantes, d'accord Et on compte sur lui sur ça, ce qui va dire qu'il va se donner aussi à fond. Euh, lui, dans, dans ce contexte particulier, on a zéro qui se fait prendre sa place au milieu de terrain qui revient revanchard. On a un Boudaoui qui est en train d'exprimer tout doucement son plein potentiel et son jeu, d'accord. Donc il y a énormément d'enseignements qu'on tirera de ce match-là si on a des infos. Et si on n'en a pas, c'est pas important, d'accord. Si on n'en a pas, c'est pas important. L'important, ça sera l'Angola et le Burkina Faso. D'accord À retenir qu'il y aura deux compartiments euh, à travailler encore davantage. C'est peut-être le jeu au sol, parce qu'on a marqué face au Togo à prime, euh, les deux fois on a marqué, entre guillemets, euh, sur, euh, sur coup, de pied, euh, coup de pied arrêté, quoi, au centre, etc. Et euh, donc, ça serait bien de marquer différemment pour s'offrir la possibilité de faire un jeu balle au sol et de marquer dessus, parce que certaines équipes seront très bonnes. Dans les airs, défensivement, et ça sera beaucoup plus difficile que le Togo imprime des locaux. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, on doit travailler ce jeu au sol-là et on doit faire attention à l'inverse. Pour notre défense, au coup de pied arrêté, et aussi bien jauger, je pense, euh, la profondeur qu'on prend sur le terrain. Euh, Est-ce qu'on met un bloc un peu plus haut, un bloc un peu plus bas Là, Belmadi va avoir des sacrées réponses face au Burundi, et quoi qu'il arrive, ce match reste décisif, notamment pour la confiance. C'est un match qu'on ne doit pas perdre. On n'est pas obligé de le gagner 2-0, 3-0. 1-0, c'est très bien. S'il y a le jeu, la manière, la cohésion d'équipe, euh, les automatismes qui se créent 1-0 à 15 heures, en fin de préparation au Togo, avant d'entamer la canne, c'est très très bien. Et euh, je signe tout de suite, il faut qu'il y ait tous ces éléments-là, le contenu, le jeu, le physique, etc., etc., pour faire une bonne formule pour, entre guillemets, attaquer cette compétition euh, de manière très euh, très très bonne. D'accord Donc, on va bien évidemment maintenant conclure et récapituler tout ça. Donc, pour conclure, on rappelle, le match Algérie-Burundi se jouera à huis clos. On ne sait pas encore les informations qu'on aura dessus, mais quoi qu'il arrive, on, on ne verra rien de ce match-là. On aura peut-être, comme j'ai dit, les compos qui ont été placés, les remplaçants qui ont été mis, les résultats, mais ça s'arrêtera là. Et comme je le dis, il ne faut pas être frustré de ça. C'est vrai qu'en tant que supporter, on a envie de voir le match, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire une grande canne. Si dit, considère qu'il doit. Travailler comme ça pour atteindre cet objectif-là, eh ben on lui fait confiance et on attend les résultats lors de la CAN. Là, on pourra vraiment juger ça. Pour la préparation, personnellement, je suis très satisfait. Pour moi, Belmadi a pris des enseignements euh, clairs, nets et précis par rapport à la CAN 2022. Il est en train de les appliquer, de les mettre en place, et pour moi, ça va payer. Pour moi, je vous dis, le premier tour, ça va payer. On va avoir une fraîcheur physique qu'on n'avait pas vue et une efficacité qu'on n'avait pas vue. J'espère ne pas me tromper. Par contre, attention à ne pas perdre ce match face au Burundi. Pour le côté psychologique, le côté se rassurer, le côté euh, physique, etc., moral, euh, cohésion du groupe, etc., c'est très important de ne pas perdre. D'accord Parce qu'il faut arriver à la canne, motivé à 100% et surtout très très bien psychologiquement avec aucun doute qui plane parce que l'Angola ça va être difficile premier match d'ouverture et le Burkina Faso je peux vous assurer que c'est très très coriace et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont fini très très bien placés à la dernière canne, d'accord, et que quoi qu'il arrive, le Burkina, enchaîne des matchs sans défaite, peut taper les plus gros d'Afrique ou les maintenir en échec avec des nuls comme le Sénégal, l'Algérie ces dernières années, etc. Donc attention, attention, ce match-là est capital, décisif, et la préparation de Jamel Belmadi va euh, donner ses résultats, ses fruits demain. J'espère que la vidéo vous aura plu, d'accord, n'hésitez pas à commenter, partager, relayer la vidéo, surtout. Comme j'ai dit, débattre dans le respect, d'accord Chacun a des positions différentes, des avis différents, d'accord On se respecte, on débat. Personnellement, j'essaye de tout lire, j'essaye de répondre au maximum parce que ça m'intéresse. Et, euh, et voilà, quoi qu'il arrive, derrière l'Algérie, salam l'équipe, on se dit peut-être à demain si on a des informations sur le sujet.